Salut, salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait des bocaux de petites tomates cerises confites. Un petit coin de terre, à l'autre bout là-bas, dans l'autre hémisphère, je ne sais pas pourquoi. Ce petit coin de terre se rappelle de toi, un petit brin de mystère qui me tend les bras. Allez, c'est parti, allons cueillir les tomates cerises. Pour ramasser les tomates, c'est assez simple en fait. On a un petit bourrelet qui est juste au-dessus de la tomate. Il suffit d'appuyer dessus pour le ramasser. À présent, allons ramasser les autres ingrédients de notre recette. Suivez-moi. Alors, pour notre recette, on va ramasser différentes aromatiques. Donc ici, j'ai du thym sauvage et du thym. Allez, continuons notre recherche d'ingrédients. À présent, allons chercher l'ail dans la légumerie. Présent, nous avons tous nos ingrédients. Allez, c'est parti, on va remplir notre bocal. Alors tout d'abord, on va préparer nos tomates en enlevant toutes les queues des tomates. Puis, préparons notre ail. Maintenant, on peut remplir notre bocal en mettant de temps en temps des aromates. Dernière étape, rajoutons 1 cm d'huile au fond du bocal, jusqu'ici à peu près. Voilà, à présent, il ne reste plus qu'à mettre le joint et puis refermer notre bocal pour le stériliser pendant 75 minutes à 100 degrés. Allez, à tout de suite! On ferme le couvercle et c'est parti pour 100 degrés à 75 minutes. Voilà, nos bocaux de tomates sont stérilisés. On peut aller les chercher dans le stérilisateur. Nous laissons refroidir notre bocal. Nous pourrons le déguster une fois froid ou cet hiver. Allez, salut, salut! Un petit coin de terre, à l'autre bout là-bas, dans l'autre hémisphère, je ne sais pas pourquoi.